Référendum nan nan de l'eau, en pile compatriote haïtien nan diaspora risque perdu privilège exercer ak joui droit civil ak politique yo si référendum nan pa rive fait. Eh bien, plusieurs groupes ak acteurs importants nan pays an kampe kont référendum nan. Yon parti nan secteur religieux a kampe kont, Binu Lagepiel, président sénat Joseph Lambert kampe kont, même parti politique PHTK côté président Jovenel Moïse sorti an, décidé prend position contre référendum nan. Mes amis, bagay yo compliqué pour exécutif là. Kap multiplié rencontre après rencontre. Si référendum nan pas arrivé fait, c'est qui position haïtienne diaspora yo ka prend pour engager dans combat politique pour faire respecter droit yo comme citoyen haïtien tout bon vrai. Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue ou sous Tactique 109, tout haïtien connecté dans l'émission parlant mon éditorial. C'est un plaisir pour me rejoindre nous aujourd'hui. Hein? Déjà m'a dit merci pour attention, merci pour support dans réalisation travail ici là. Ou même qui voulait encourager ma projet pour mettre campé studio visuel de présentation, hein? Pas hésiter passer dans cash app là, passer dans Zelle là et d'ici quelques mois, m'a prend un autre niveau dans présentation émission et c'est bagaille tête changer, me sûr que on satisfait de sobre algain pour wea. Et d'ailleurs, il y a plusieurs monde qui déjà dit mettre présent pour yo et ou même qui envie qui voulait encourager projet qui voulait mettre mais j'ai toujours dit la main en pile chat et pas l'eau quand toujours écrit nous sous numéro émission prend contact avec mais s'attendre à là n'a pas avancé ti pas rapide vite en bonne et due forme m'a présenté au Banut Beauty ou même qui gain problème peau tache bouton gratter la nez peau sèche. Pas hésiter monter sur www.banutibeauty.com banustibeauty.com. Ou am joindre toute une gamme de produits de qualité, savon, crème exfoliant, gloss, des produits hommes, femmes, ou am joindre conseil de beauté. Donc, al penser, prend commande ou et s'attendre à la bam nouvelle là parce que ou am joindre des produits qui a traité pour ou qui a prend soin pour ou. En toute délicatesse, elle profite de spécial et puis un bon résultat pile devant. Moment arrivé pour nous brasser l'idée sous préoccupation compatriotes haïtiennes dans diaspora et mettre quatre sous table avantage de développement au capoté pour Haïti dans domaine politique là. Des micro présentation, c'est toujours même Yannick là même voix, rien pas changé. Autant pour me dire dès le départ. Référendum nan la mi-chemin de date qui fixé pour lui 27 juin prochain qui vini là et li a mi-chemin de un boycottage planifié. Bien sûr, on parle de boycottage planifié pour deux raisons. Premièrement, c'est le fait que processus là à la base li pas inclusif. Nous pas jeune participation tout secteur important pour développement socio-politique pays, hein? Tout secteur si yote là peut-être yote ka éviter. Yo t'a évité un éventuel instabilité qui pral prendre naissance à partir de cause référendum ça. Yo pas là, soit parce que yo contesté initiative là compte tenu du fait que c'est régime PHTK qui a organisé. Et bien sûr, on parle de régime PHTK, c'est pas le fait que président Jovenel Moïse li rattaché vraiment avec parti politique PHTK parce que le n'a gardé président parti politique PHTK Aline Baltazar li prend position par rapport avec référendum nan. Côté que ou même yo prêt pour yo voter contre et d'ailleurs li dit clairement yo pas intéressé avec projet nouvelle constitution tout ça yo vle, yo même c'est élection ou bien tout soit parce que initiative qui prend pour organiser référendum nan yo prend en violation de sa constitution 1987 là te prévoit pas ka gen référendum sinon que le parlement là yo ka fon amendement constitutionnel suivant prescrit constitutionnel qui établi même que li longue même que li lan c'est sous base ça te ka gon amendement te ka gon révision constitutionnelle. Deuxième raison pour le boycottage planifié pour référendum, non. C'est tout simplement un manque de transparence, un manque d'équilibre dans trois pouvoirs l'État, yo. Par rapport avec avantage exorbitant qui prend pour exécutif l'an avant projet nouvelle constitution. N'empêche que, l'hypoco trop tard pour reconsidérer tout déséquilibre, ça, yo. Mais le problème qu'il y a, c'est que y a trois groupes moun face avec référendum, non. Gon premier groupe moun qui c'est opposition politique, là.
yo contesté référendum nan du fait que à la base li inconstitutionnel, du fait que à la base li pas transparent, li pas inclusif, li pas participatif. Gon deuxième groupe moun qui reconnaît nan référendum nan que processus la li viole constitution, mais vu que li bay des avantages avec diaspora, li bay des avantages par rapport avec toute malversation que sénateur yo qu'on a fait en dedans pays, yo favorable avec projet nouvelle constitution. Gon troisième groupe moun qui nan population civile là, que on fait référendum, que on pas fait référendum, ça pas business par eux, parce que on pas même qu'on a la base qui ça qu'on référendum, yo pas connait ça dans constitution 87 là, aller voir pour ta connaître qui ça qui dit dans avant projet nouvelle constitution. Maintenant vient Liné Baltazar qui c'est président parti politique PHTK côté que président Jovenel Moïse issu de lui-même. Bon, est-ce que président Jovenel Moïse c'est un membre de parti PHTK? Entre guillemets, m'a dit oui parce que lié le sous bannière là, mais nous connaissons comment politique fait en Haïti, moun nan kou élection pral arriver là, même le grand directeur non parti politique, ou pral wè différent l'autre tête. Parce que soit ou influent, soit parce que ou gen kòb yo ap bay yo ap investi nan campagne, ou bien pour une raison ou pour l'autre, parti politique yo toujours gen de nouvelles têtes nan période électorale. Pour qui raison jounen jodi a la, PHTK prend position ça par rapport avec référendum, nan, par rapport avec initiative président Jovenel Moïse pour doter pays de une nouvelle constitution. Est-ce que c'est parce que yo e binu rale koyo qui fait ou même tout yo envie rale koyo? Sans aucun doute, relation président Jovenel Moïse avec PHTK, c'est relation père-fils. Son relation de famille. Pour quantité sacrifice qui fait dans PHTK pour être arrivé mettre président Jovenel Moïse au pouvoir, ça son bagaille incalculable, ça son bagaille qui était grandiose et tout le monde était ouais quantité qui quantité l'argent que dépensé dans campagne, qui quantité propagande qui t'a fait pour vendre image en président banane. Nèg banane, c'était slogan ça. Donc je ne jodi an la nous jeune PHTK qui prend une position ferme côté que yo pas intéressé pour changer constitution 1987 là pour un petit groupe moun contre l'autre groupe, parce que projet constitution ça selon Saline Baltazar dit c'est un modèle de un régime autoritaire qui était là en 1935. Et pour aller plus loin, li fait connait que comité consultatif indépendant moun kap travay sou avant projet nouvelle constitution, yo pa expliqué président Jovenel Moïse tout ça kan dan projet nouvelle constitution. Ça me sûr que c'est des bagay, c'est son façade yo mete pour yo prendre position. Mais question que et comité consultatif pa expliqué président Jovenel ça nan et nan constitution, ça c'est bobine et peuple franchement nous pas égaré, nous comprendre le monde voulait retirer quoi, le monde voulait rester solide avec un projet, avec une initiative. Est-ce que Liné Baltazar gen raison leur dit que référendum nan irritant et que référendum nan susceptible pour créer plus instabilité politique en dedans pays? Premièrement, question référendum nan, bien sûr c'est une cause occasionnelle jounen jodi a la qui susceptible pour déstabiliser pays en plus et qui quand même pas arrivé ba chance avec président Jovenel Moïse pour t'arriver faire élection, parce que tout bagaille ça pral dépend de comment yo pral choisir abouti avec référendum nan 27 juin. Parce que nous, comment l'insécurité en li grandissante, nous, dans qui niveau insécurité a, moun peut sortir dans la rue, yon a tué moun, yon a tiré moun, négazam tout côté. Est-ce que kounye a la, population pral ge confiance pour yon di, yon pral participe dans référendum? Nous pas en mesure pour nous rétablir sécurité, kidnapping toute journée, kidnapping tout côté dans la capitale là. Ça, son point, un point de faiblesse dans l'initiative pour référendum ça 27 juin qui va venir là. Si vraiment nous voulons faire référendum là, nous voulons aboutir avec référendum là, c'est dès maintenant qu'on comment nous pral combattre phénomène insécurité. Nous avons au moins un demi de référendum là. Est-ce que nous avons un mois et demi nous rétablir un climat de sécurité en dedans pays? Est-ce que nous rétablir sécurité, la paix dans quartier populaire, dans ghetto aujourd'hui jodi a là? Est-ce que premier ministre Henri Claude Joseph li gen kanson, li kebe kanson jam pour combattre avec nèg exam yo? C'est qui plan d'action nous gen contre sécurité a pour référendum nan arrivé fait?
Tout ça, yo, c'est venu, en venu, c'est temps qui a passé. C'est temps qui a passé, c'est dès le départ là pour nous prendre des solutions. Et solutions, c'est pas sous papier. Solutions, c'est dans des actions, à travers des actions pour nous prendre. Et si nous pas favorables pour nous mettre un climat de sécurité dans le pays, déjà là, nous mettons quoi sous cause référendum. Il y a quelques initiatives là à prendre, yo. Si à la base, ou pas sûr que secteur qui pi influent dans le pays, secteur ça, dit déstabilisateur, yo pas là dedans, c'est peut-être un projet morné lié. Je ne dis là, opposition politique là, li pa nan référendum, majorité groupement, regroupement politique, yo conteste référendum, il ne reste que la diaspora haïtienne, et de faire vos partisans ou alliés du pouvoir en place qui favorable à projet nouvelle constitution. Kounya se ki pwa diaspora haïtienne là nan balance politique là pour t'arriver changer donné yo pour aboutir avec référendum nan coûte que coûte. Parce que déjà d'un point de vue économique, diaspora haïtienne là, li c'est moteur économique paysan. A plus passé près de 3.2 milliards de dollars par année. Contribution diaspora, li dépasse largement ou te mette tout secteur des affaires en dedans pays. Nan, kop diaspora bay en dedans pays, yon pa bay li. Dans un budget même, en dehors de tout aide au développement, en dehors de tout financement international en kabay, en dehors de recettes fiscales que DGI prélevé, c'est l'argent diaspora qui a fait pays à bouger. Na imagine nous. Nan ki double, triple, quadruple extrême pauvreté pays a te kaye, si pa gen contribution diaspora yo. Si pa gen aide à des familles haïtiennes kap sorti de l'extérieur. C'est pas le gouvernement yo tap rele encore non pour extrême pauvreté. Monsieur laisse à tout moun tap décidé mette clé en bas porte là pa tap gen moun ki tap vinn bataille pour pouvoir dedans pays a. Parce que yo tap poi yo pa ka danser dans san. Yo pa tap ka répondre avec besoin population haïtienne. Déjà là, diaspora a contribué ou pas qu'à répondre. Et si pas de contribution même, qui ça a fait? Qui ça a fait? Et malgré que moun, li pa ge proche famille en Haïti, mais d'une manière ou d'une autre, yon contribué pour yon aider. Et c'est très regrettable que jusqu'à date, l'État pa jam kabay réalisation qui fait avec taxes en dollars 50 que yon prélevé sous transfert diaspora. Yon pa jam kabay li. On fond qui soit disant versé. On l'argent qui soit disant versé pour un fonds national de l'éducation, oui. Et sincèrement, dans le niveau de dégradation de mon éducation, on y est là. Élève pas qu'à jeune professeur. Professeur pas qu'à toucher. Pas qu'à de bonnes structures. Dans l'école, l'État, yo. On plus penser que c'est l'argent son fonds personnel, yo, fait au lieu de son fonds à l'éducation. Son fonds personnel, puis on fourre main au bon, puis on règle les affaires personnelles, yo. Yeah! Pour diaspora yo. Donc là li important pour gagner de véritables engagements qui prend. Pour l'État suspend nous comme une source de revenus, comme des bailleurs de fonds, alors que l'État prive nous de qualité haïtien. C'est pas seulement reconnaître un monde. C'est haïtien ou bien haïtien d'origine, non, chita fait distinction. Moun nan c'est haïtien d'origine, le maman ou bien papa c'est haïtien que parents ça yo fait deux pères ou deux mères haïtien également. Haïtien qui vivent dans la diaspora, ils sont haïtiens, leur fait jouir et exercer droit civil et politique. Li. Nous passons mon nom dans bêtise trop. Nous profitons de la diaspora, leur nous besoin l'argent dans mes yeux, alors que leur pour nous bailler mon yo accès pour exercer, pour jouir droit civil et politique, yo, c'est toujours un paquet de paroles en pile. Classe politique traditionnelle en dedans pays a toujours peur. Que yon toujours absorbé parce que qui ça gagne. Yon tellement force jeunesse à quitter pays, yon tellement force moun yon aller, et moun sa yon, leur kounye, yon al perfectionné yon à l'extérieur, yon a toujours peur pour yon retourner la caillou pour yon vin aider, pour yon vin contribuer dans le développement pays. Yon a vraie raison qui la cause que, jounen jodi an la, classe politique ça, yon a combattre pour diaspora pas intégré sphère politique en Haïti. Pour diaspora, yon pas intégré classe politique, là. Pour yon rete loin, en façon, pour yon, même pour yon toujours vin peser sous se, pour pays a pas kon développement, pour pays a pas kon progrès. Eh bien, je dis à la, gen nécessité pour tout petit pays en jouir droit politique, yo. Et c'est yon avantage à travers projet nouvelle constitution, yon ka bénéficier dignement.
Mais pour quantité contestation qui gagne là dans cause référendum non, li sou ou échoué. Et en prémisse, en pile diaspora haïtien gen mot pa yo yo pral di. Yo décidé parler pour faire dans des voix yo. En dans des positions yo puis m'a pour retourner pour commenter yo. Bon moi même opinion pam sou bag et sou référendum moi moun yo parler hein. Et moi même pour m'accepter avec faut que diaspora ta gagne en pile priorité en dans référendum ça y a parlé à faut que c'est pour référendum y a fait qui pour bon pour yo qui pour bon pour zanmi yo pour fami yo faut que son référendum qui pour bon pour tout pays a qui pour bon pour toute diaspora et puis faut diaspora ka voter faut diaspora ka voter et puis pas gain de question immunité encore parce que nèg la pense il gain immunité sous dol il ka fait kidnapping il ka fait salvli il connaît un paquet de temps devant il pas cal en prison bagay immunité ça full stop full fini vous comprenez et puis référendum pas qu'on fait avec un petit groupe monde référendum fait avec tout pays à net en général tout monde supposé concerné tout monde supposé chita sur table pour accepter avec référendum changement et constitution un groupe moun un secteur ka faire c'est tout secteur pour qui met ensemble qui pour faire et comme ça mouel parce que si son grain secteur faire ça veut dire son bagage qui va le faire personnel entre eux-mêmes ouais ça veut dire nèg la parce le président là il ka font l'autre mandat des temps là c'est comme ça mouel moi-même. Bon, dans l'émission aujourd'hui, nous connaissons exactement une bataille politique. Et nous sommes capables de dire une révolution, c'est pas un bagage qui est facile. Cela veut dire que la révolution, ça, que le président Jovenel Moïse a essayé de nous faire pour nous capables de joindre droit, nous, en tant que diaspora, en tant que haïtien, haïtienne, petit pays. Mais nous, valait complot qui campait derrière. Donc, nous comprendre qui ça gagne parce que intérêt monsieur ça est menacé ça veut dire tout secteur ça va parler là c'est monde qui en pays a depuis 200 ans dans la misère donc ou pas besoin demander sous aujourd'hui a un vent changement cap vanter dans pays ou tout monde ça a levé contre changement ou vienne comprendre que Haïti vraiment pas en route pour changer parce que gen trop complot gen trop méchant parce que yo tout presque mon capable dit j'entendé yo là ou ta capable dit que gen 95% bandi ak méchant dans pays et peut-être c'est pas vrai comme yo même yo gen la presse yo gen tout l'argent pays a nan men yo gen tout contrôle et opinion donc yo autant yo plus mais nous même ça nous dit il faut que référendum en fait. Il faut que nous gonflions et nous pour référendum en fait pour constitution en changer et puis pour nous mêmes nous rentrer dans pays nous dans le service pays donc nous pas plier devant ça entendez à faire l'église catholique l'église protestante ça c'est bobine ta yo ni yo pas rien yo pas gain pouvoir même l'on kidnappé rentrer pendant dans l'église là on pas dire au nom de ça y a servi à que moun n'a pas ca prendre donc ouais yo ni bon ce sont des nuls à faire protestant catholique là bon pas besoin nommer ça encore dans pays là maçon bon tout cet internat donc bon yo pa gen pouvoir yo nil bon en nous clair sur ça que en nous kembe force nous gens nous te kon kembe là nous même nous et d'ailleurs n'a prophétiser moi même m'a prophétiser au nom de Jésus de Nazareth m'a prophétiser que c'est pour bon Dieu ban nous pouvoir sur tout ennemi ça pour nous faire référendum là et pour nous faire nouvelle constitution au nom de Jésus de Nazareth pouvoir c'est pour nous lier et n'a prendre au nom de Jésus donc nous pas peur nous pas crainte. Donc merci Foucault, merci Annie, que me salue tout auditeur connaît qui a papier constitution à référendum. Non, mandé nous qu'embe ferme et mettez tout pouvoir nous gagner sous table là pour nous combattre et méchant yo. Au nom de Jésus de Nazareth. OK, merci. Et dans reste minute moi m'rete là, m'a continuer avec bataille que prophète Élie t'a mené en face les 450 prophètes Baal. Donc et pensez pour vous, bataille toujours comme ça. Les 450 contre 1.
C'est dans situation ça nous aujourd'hui. Jovenel Moïse semblait un, mais il y a 450 prophètes en face lui. Et nous commençons au résultat depuis 4 ans. Les 450 prophètes Baal. Eh bien, final la fête Jovenel a commencé à. Parce que les 450 prophètes Baal n'avaient pas vraiment les vrais dieux. C'est pas eux-mêmes qui ont un vrai dieu, Dieu qu'on écoute mon nom. Baal était faux dieu. Et prophète Élie, lui-même qui était un vrai dieu, il est arrivé pour te faire offrande, pour te faire sacrifice. Et il était seulement parlé. Et du fait de bouler au fond de l'an, et pour faire l'idée de gagner la bataille là. C'est ça qui va arriver. Jovenel Moïse, me dit pour contre lui, il représentait Élie en face des 450 prophètes Baal, qui c'est Liliane, Pierre, Paul, Jean Mouna, et Louko, et comment est le nom Radio Caraïbe là, les gens de Radio Caraïbe, les gens de radio, etc. Et tous les autres. Jovenel Moïse, jodi a représenté prophète Élie. Il représentait si David devant Goliath aussi. Merci, bien-aimé. Kembezla, nous allons gagner la bataille. Bonjour tout le monde, bonjour tout le compatriote. Mon frère, c'est quelque chose à côté que vous rencontrez à l'étranger, à Haïti, quelque chose à côté. Mais ça, c'est le plus pour diaspora, quelque chose à pays côté à vivre là. Salutations spéciales pour Foucault, Yannick, salutations pour spécial TAG 609, première plateforme là pour bien informer le peuple là. Merci en pile, dès que bon Dieu te mette en haut pour te créer la plateforme ça. Bon, opinion par moi-même sur le référendum là, pour si la constitution n'a pas arrivé et changé, pour si l'objectif ça n'a pas arrivé à atteindre. Moi-même, comme moi, c'est un haïtien qui peut vivre en Haïti. Mais pour tout le monde, penser même j'avais, je connais, c'est chaque monde qui a façon par eux, parce que chaque monde qui a opinion par eux, opinion chaque monde compte, opinion chaque monde valable. Parce que, avec respect une pour l'autre là, on doit respecter l'opinion de chaque monde. Mais, ça, moi-même, je t'ai dit, à toute diaspora, tout haïtien qui vit à l'étranger, faut que nous t'avons levé campé. Parce que quand les haïtiens qui ont vu à l'étranger, ils vivent d'une façon comme si ça qui passe en Haïti n'a pas intéressé, pas problème. Pas eux. C'est problème aussi groupe de monde, et puis une série de l'autre monde, et ça pas problème pas eux. Mais moi, je pense que pas tant de comme ça. Parce que c'est. Situation haïtienne, il concerne nous tous, il concerne tout le monde en général. Depuis que c'est haïtien, quel que soit le côté, quel que soit le côté, c'est le problème haïtien, c'est le problème molier parce que. Le problème molier parce que haïtien, c'est pays non tout lié. Politicien, problème politique là, qui a gravage haïtien, qui met le pays à tête en bas, il concerne nous tous. Kidnap vive Canada, kidnap vive États-Unis, kidnap vive en France, pays européen, quelque chose à côté de nous, mesdames, messieurs, dames, ça concerne nous tous. Parce que les tristes, les gens qui ont pays n'ont pas fini, les anciens politiciens qui ont toujours déchiré le pays, déchiré le pays, ils ont toujours voulu pour nous mettre le bœuf là. Il faut que la diaspora intégrée. Faut nous même la diaspora nous intégrer, nous faut nous entrer à force pointe, faut nous dire nous là, yo pas c'est nous, yo pas exister, faut nous dire oui nous là, ok, et ça pour nous faire, faut nous dire nous là. Bon, nous voulons attirer attention nous sur un bagage. Même gens nous est pouvoir l'état qu'on a fait propagande là, les hommes forts de l'opposition politique tout yo qu'on fait propagande aussi, yo qu'on comment pour yo faire propagande et pour yo tirer ça au besoin dans mes populations haïtiennes là. Et c'est pour ça, ou même qui voulait vraiment informer de sa cabine avant projet nouvelle constitution, c'est Lille. Et sous ta Lille, ou pas vraiment comprendre sens Lille, ou pas comprendre idée article, ou Lille pour poser une question, écrit dans le numéro émission.
ou a poser une question et m'a fait mon plaisir pour me répondre pour m'aider à comprendre parce que grand pile média traditionnel là qui seulement voulait montrer des avantages qui gagnent dans projet nouvelle constitution référendum non certes li contesté référendum non certes yo pour une mauvaise décision pour référendum ça pour pas inclusif pour pas participatif mais tout l'idée pour changer ou bien pour amender la constitution n'est pas mauvaise en soi. L'idée n'est pas mauvaise en soi. Parce que gon paquet de dérives dans la constitution 1987 là. Gon paquet d'articles qui sujet à double interprétation, à triple interprétation. Chaque monde ka interprété article là dans sens li, dans sa ka bon pour lire. Alors que l'article supposé clair, il supposé précis, il supposé qu'on seule interprétation sans équivoque pour ne pas avoir une source de stabilité en dedans pays. Et je ne dis à là, si pays était vraiment une opposition politique qui était forte, au lieu que monsieur yote chita seulement fait gros gorge, a fait propagande destructive, yote kabay tèt yo le devoir pour informer population à travers une campagne d'apprentissage. Apprendre moun yo sa ki gen, ki sa kon référendum, sa ki gen nan avant projet nouvelle constitution. Sa constitution 1987 la di informer moun yo, former moun yo. Et moun yo wè klè bay moun yo lumière. Jodi a la nou gon peuple ki non total ignorance, c'est de la méchanceté bien planifiée. Son ignorance qui bien planifié et yo a pas assuré que population haïtienne n'a pas jamais vraiment pour un élan, yo pas jamais sorti dans niveau de dégradation que yo ayant. Politicien ça nous gain là, yo classe politique ça nous gain là. C'est priger la priger population. Li fin priger cerveau paysan parce que jounen jodi a la tellement gain instabilité, tellement gain insécurité en dedans paysan. Qui est jeune qui vle dans paysan? Qui est jeune qui choisit journée aujourd'hui pour rentrer dans pays a à moins que moun sa pou ko reuni moyen pour quitter pays a parce que pays ça vraiment li pa offrir jeunesse quoi que ce soit c'est pas décourager m'a décourager quiconque mais son évidence et moi mes di vérité à Jean Lien son évidence nous pa gen moun k'ap travaille pour jeunesse tan. Et c'est dans même lit ça journée aujourd'hui là, sénateur Joseph Lambert prend position contre référendum non. Alors que même groupe moun sa yo, yo té là le amendement constitutionnel 2011 là. Yo pas de jambe aucun avantage pour diaspora, ni non plus yo pas de jambe rendre compte d'instabilité article 134-2 constitution 1987 nan ka meté. Yo pas de jambe instabilité le ka meté en dedans pays là sous question fin mandat présidentiel là. Parce que seule préoccupation ou te gen à l'époque, c'est qui est-ce qui pral succéder, qui est-ce qui pral remplacer président élu. Cette petite transition modérée et raffinée ou t'a préparé. Pour yon vin prije qu'est-ce l'État, pour yon vin piller population, pour yon aller. Privé fel, président privé fel, après Martelly. Monsieur que en sa qualité de président du Sénat de la République, Joseph Lambert lui-même tout, il espère une petite transition. Au moins la fête en coup privé la président pendant un petit bout de temps parce que en Haïti c'est le titre qui compte. C'est pas l'engagement engendré par la fonction, tout le monde envie président, tout le monde veut président mais yon pas après pour respecter l'engagement que yon pral prend envers la population, envers la constitution. Face avec toute incertitude ça qui gagne sous référendum non. Jodi an c'est qui sa diaspora yo ka présenté comme plan de combat yo pour faire respecter droit civil et politique yo en dedans pays en tout bon vrai. Comme principal moteur économique dans pays an, c'est garde comment nous ka unifier nous pour nous vinn ak un plan de développement viable, solide pour pays an. Non seulement nous gen fond nécessaire à travers flux de transfert yo, mais tout sans pas essayer porter préjudice avec jeune intellectuel qui choisit dans pays en toujours qui choisit été prendre pain éducation yo qui choisit été leur fin prendre diplôme licence yo choisit patiemment attendre travail en dedans pays on pas veut porter préjudice avec yo mais vrai élite intellectuel là li gen longtemps c'est dans diaspora lié li gen longtemps instabilité politique voyé au dehors. Li gen longtemps insécurité avoyé au dehors. La crème de la crème. C'est pas que pas gen crème non mais la crème de la crème. Yo allez.
Parce que je dis un jeune qui fait un diplôme, licencié, qui fait master, qui fait PhD là à l'étranger, yo pas retourné dans le pays encore, yo pas retourné vivre en famille, yo. Mais yo pas vraiment venu pour yo dire yo pral vinn travailler en Haïti. Niveau sécurité zéro, accès à l'emploi zéro, son chômage déguisé qui gen dans le pays là. Donc pas gen aucune situation vraiment qui réunit pour encadrer diaspora yo. Si c'est pas nous-mêmes vraiment qui choisi mettre pied na té. Et seule façon pour exiger l'état reconnaître droit civil et politique nous tout bon vrai dans pays, c'est faire pression. C'est faire pression, exercer une petite pression sur l'économie. Parce que là, yo pral wè vraiment. Yo pral wè vraiment nous choisi. Nous choisi intégrer nous. Mande l'état compte de ça ou faire $1.50 si yo pas capable nous compte, si yo pas capable nous rapport. Haïtien paye question reddition de compte là, mande compte. $1.50 là c'est fou travail nous, l'état prend le fond nous comme ça on fait avec. Depuis ce matin, il y a une question de $1.50, $1.50, $1.50 non caisse privée. Yo mettez le nom caisse privée dans BRH et puis soit attendez à chaque monde qui a un petit problème personnel, yo al prend là-dedans et puis peuple là lui-même qui ça rejoindre. Quand on a parlé de question éducation en Haïti, nous t'a dit gain éducation tout bon en Haïti là. Nous pas d'ap sérieux. Je pense que gon travail qui pas fait dans affaire référendum là. Gon travail qui pas fait. Il faut que yo t'a fait imprimer des petits livrets pour capable distribuer dans peuple là. Parce que pendant ce temps mon a dit pas le référendum, yo pas le référendum. Yo poté une série de bagailles, yo dit une série de bagailles. Comprendre pour capable détourner l'esprit peuple là, détourner l'esprit même moun qui connaît li, gagne un pile moun qui pas connaît li dans peuple là, mais moun qui connaît li, moun qui ka comprendre yo. Yo ta dû gagne un manuscrit à nan main pour yo lire. Pour yo connaît ça qui passer là-dedans. Parce que même si moun yo pas connaît ça qui passer, qui ça qui dit dans nouvelle constitution qui va venir. Donc monsieur cap lutter contre pouvoir en place là, il y a toujours dit une série de bagages que moun yo en cap boire bagaille. Par exemple moi même m'a regardé constitution, m'a regardé bagaille, m'a regardé dans télévision, me suivi yo chaque fois, me suivi dans télévision et ouais, donc son série de bon bagages qui dit là dedans. Comprenez, il y a un bon bagaille qui dit là-dedans, un pile bon bagaille dit là-dedans. Mais un pile bagaille qui dit là-dedans, monsieur et politicien opposition, yo déformé bagaille yo. Yo ba yo un lot de gens. Donc c'est pour ça, faut que tu es capable de faire des copies, des feuillets pour capable distribuer bagaille ça dans population pour peuple lui-même pour l'île pour voir qui ça qui capable bon pour yo. Parce que je pense que l'opposition a servi comme yeux moun ki nan la rio. Parce que yo pa wè, yo servi comme yeux moun ki nan la rio. Donc je pense que faut yo ta fè kèk feye pour yo ta capable distribuer bay tout moun, an pi pour tout moun li, pour tout moun wè vers qui sa référendum nan ap mené yo. Donc c'est ça me da comprendre même. Référendum nan son bay ki très important. C'est très important et nouvelle constitution très important. Parce que si constitution ça nous gagne là, c'est avec nous été pays a toujours été dans même situation. Comprendre dans même situation. Donc son orgueil lié parce que monsieur yo pa vle pouvoir qui en place ta la faire et nouvelle constitution parce que c'est donc bon non même. Donc, moi, faut que projet ça, faut qu'il oblige de passer. Parce que s'il pas passer, Haïti, il y a un problème. Bon, Dibi, non, c'est Patrick Henry. On a toujours, ouais, pour question de référendum, non? On a toujours un paquet de bataille. Pas besoin de gagner bataille. Mais, pour moi, personnellement, si juste 27 juin arrivé, il est ça, m'a prôné. Si que pas gagne référendum et si a gagne raison pour laquelle parti politique qui là yo a goumen en faveur pa yo et constitution on paquet ba la donne qui pas bon vraiment vrai. OK, ça veut dire que
yo ta toujours aimé ouais c'est eux-mêmes cap et balé osé fait tout bagaille monsieur politicien ça là yo ça veut dire que pour pas aucune chance pour on l'autre constitution entrer pour que pour ouais c'est la jeunesse qui a frappé yo même c'est qui bon grand monde 65 ans 90 ans 70 ans yo qui l'en pouvoir et référendum ça quoi le fait là et nouveau constitution jeune timoun yo a gagné en pile privilège femme a pris privilège là dans yoto Jean président t'es parlé Jovenel Moïse t'es parlé sénateur et parti chambre sénateur député c'est 3-4 femmes gagné la donne qui y a besoin en pile femme dans parti politique là tout c'est pas celui qui a crasé brisé et puis tout encore diaspora yo t'a bien mais entré pour aller poser candidat pour aider supporter pays yo li pas bon avec l'autre monsieur ça au clair yo m'a bien cité non yo ou des raconte yo n'est qui opposition yo y a toujours campé en quoi ou parler de PHTK. PHTK, ou pas qu'on ait eu un problème avec Jovenel, il a toujours campé en face ça. Président PHTK a toujours campé en face de Jovenel, vous le dites non. Mais ça, l'homme dit, pas le bon Dieu dit, et si toutefois que c'est dans le moment ça, et dans le dernier moment ça, bon Dieu voulait délivrer le pays d'Haïti, pas de monde qui a bloqué le référendum, non. La préfète encore. Depuis ce travail bon Dieu qu'a accompli pour le pays a changé, pour le référendum en fait, pour l'élection, tout le monde qui a pris l'amour, André Michel, ceci, l'autre, tout le monde qui a pris l'amour, pas de référendum pour eux, bien ceci. Ça parle en main, yo. Ça n'a même bon Dieu dans le ciel là, même les pays d'Haïti, c'est cru mieux à faire la donne. Garde ça qui fait dans l'église catholique Saint-Pierre. Ou pensez que c'est la police qui fait? C'est pas la police. C'est une opposition qui a habillé l'autre monde en police pour envoyer gaz pour qu'on ait ces policiers. C'est pas vrai. Imagine-toi bien. La police pas jamais fait. Le monde qui prend formation académie, qui éduque pas jamais fait. C'est gang voleur. Une opposition au pays, mettre la police sous pour envoyer gaz dans l'église là. Ok, au début de 3 minutes, nous sommes en 3:38 là, ok, ma livre a un problème. Bye, que bon Dieu bénou. Bonjour Yannick, moi-même c'est Jean Aubert. Je suis venu dans la République Dominicaine. Et Yannick, ça qui m'a dit, n'est-ce pas, on se terrorise, on est venu terroriser le pays. N'est-ce pas, PHTK, ça est terrorisé, on est venu terroriser le pays. Pour aller, mais simplement, on est venu détruire le peuple là. Mais quand même, bon Dieu, pas jamais fait au fin de détruire la planète. Et je vois pour aller, les gens qui vivent pour aller, et il y a besoin de pays encore, il y a besoin de peuple encore. Et en tout cas, ça, moi, transition pas bon pour le pays à tout. Transition pas bon pour le pays à. Parce que transition pas le mener pays à n'en bas plus, pas qu'à gagner élection dans le pays à, et pas gagner plus de difficultés. Ça fait, n'a pas quitté au fin pour un petit moment, tant que vous avez pour point. Et. Je vais courir, je vais aller que bon Dieu va retirer les gens de Mounsao dans la face du peuple. Parce que Mounsao c'est détruit, devenu détruit peuple. Ok, merci. Yannick. Oui, on va aller sur le référendum. Le référendum n'est pas la première fois le fait en Haïti. Le référendum a fait tout en Haïti. Depuis que vous dites, le référendum a fait. Mais le problème que nous avons, puisque nous disons que c'est le peuple pour bailler voile, et le peuple n'a pas jamais bailler voile parce qu'il n'a pas consacré le référendum. Longtemps, le référendum, c'est un. Vous mettez ma coupe dans la rue, allez chercher les gens, quelqu'un à côté de vous, venez fouler devant le palais, et puis vous allez les vivre. Ça seulement. Pour vous, vous connaissez quoi le référendum dans tes confettes. Aïe, c'est pas vraiment mettre dans la route, aïe, c'est pas vraiment éclairer dans rien. Puisque dans tout côté de là, tout qui a mis les pieds sous tête, pour y rentrer plus dans tout, c'est plaisir ça. Ni dans la diaspora, ni en Haïti. Haïtien total.
comprenez? Longtemps c'était aller en province, yo prend tout aller en province, yo prend machine charger nèg entrer devant palais vini qu'on y a toto nèg yo camp en l'air pour voir yo dit est-ce que nous besoin président toujours rester avec nous toujours tout pour dire bravo et puis tout pour aller yo référendum c'est ça que référendum en Haïti mais tout autant que wap invité peuple sa moya un peuple qui par contre silence si la tête si la gauche si la droite pas jamais gain référendum qu'a fait pas gagné qu'a fait pas référendum non pas gagné qu'a fait en Haïti pas gagné qu'a fait en Haïti parce qu'en Haïti yon seul bagay haïtien connaît c'est barré yo pas pousser barré à droite yo mais yo yo garder barré yo de garder depuis tant barré ça là pour que jamais déplacer. Mais yo même yo pas pousser la petite droite pour ta essayer ouais sous ta do déplacer. Gardez date un tel placé ça là pas rien qu'à déplacer. Pour qu'ils pas aider déplacer le même ou pas aider ou parler. C'est ça seul et dans ça nous faut c'est dans parler, critiquer et puis découragement. Parler, critiquer, découragement que boy ici que Haïti. Nous tendez voir mon boy ici. Mon boy ici pas intéressé dans faire et là en pile là d'ailleurs pas intéressé dans faire référendum. Yo intéressé pour Jovenel aller. Comme si aller Jovenel là c'est délivrance pays. Délivrance pays pas dans mais nous lié. Délivrance pays pas dans chita parler lié, c'est dans aller Jovenel. Depuis 86 il y a voyer mon aller. Ouais pas ouais faut aller. C'est dans ça haïtien quoi ouais pas ouais faut aller. Haïtien pas quoi dans développement dans développement. Moi-même, quoi dans référendum parce que je consacre le référendum. Référendum, c'est la volonté du peuple. Mais peuple n'a pas contre volonté. Peuple a limité droit. Peuple a limité volonté. L'abtan, c'est l'ennemi a dit oui, dit même pour dire ça, ennemi a dit, c'est ça le dit. L'abtan, l'ennemi a dit non, dit même pour dire non tout. Mais si l'ouest bagala supposé fait, mérité fait, puisque ennemi a dit non, il dit non tout. Vous comprenez? Eh bien, c'était opinion PAM sur émission matin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Nous supposons vraiment impliquer, nous supposons impliquer. Nous parce que la classe politique, ça, c'est l'île pour le barrer nous. C'est barrer la barrer nous. C'est créer une façon pour nous intégrer nous. Pour nous forcer l'État à intégrer, prendre engagement pour nous intégrer nous. Pour nous jouir droit civil nous, pour nous jouir droit politique nous, pour nous exercer tout. Parce que nous c'est haïtien et en tant qu'haïtien nous supposé qu'à jouir tout droit privilège nous sans distinction d'appartenance, sans distinction de classe, de race, de religion. Constitution interdit. Et en aucune façon yo pas doit exclure de quoi que ce soit dans 2 mois, dans 5 ans ou bien plus toujours. C'est nous-mêmes qui pour camper pour défendre ça nous gagner comme acquis. Moi c'est haïtien indépendamment de kotoya ou après t'es haïtien. L'évidence est que nous besoin la relève dans pays hein. Jeunesse là doit ca impliquer pour le bail carné à classe politique ça. Changer classe politique ça parce que son bon profiteur, bon atoufan, bon soufflant chou qui là. Non seulement yo en pile mais yo pas gon parti politique. Qui gen de vraies idéologies en dedans pays là. Yo pas gon bon plan d'action durable sous 15 ans, sous 20 ans, sous 30 ans. Et d'ailleurs même nan direct 3 partis politiques yo son question de division kou élection pral grivé, yo pral chire pit entre yo, même yo pral bata entre yo même parce que l'argent pral débloquer. C'est seul ça qui intéresse nèg k'ap fè politique en dedans pays là. Garde comment yo ka fè l'argent pou al serré à l'étranger. Donc, ou même qui déjà konnen ki structure ki gen à l'étranger, gen des séries de bagarre dedans pays qui a interpellé ou et ou a envie de combattre. Donc, à tous les coups, j'aime me dire là, y a toujours envie barrer just pour eux. Y a toujours envie barrer nous la route et nous même qu'on y a qui pral konn comment, nous pral forcer l'état agir pour nous. Nous pral forcer l'état agir pour nous. Parce que majorité politicien yo pas attaché à aucun parti politique. S'il pas qu'un leader parti politique, l'ol pas la dol. Et si menti mande yuri la tortue la din, mande grâce à Delva la din. Avec groupe politicien traditionnel sa yon en Haïti la, être politicien, ça apparente au vol modernisé. C'est comme si de pour son politicien en Haïti, yon fort qu'on est ou son volé. Ou se même volé avec yon. Et pourtant, son mythe, c'est ça yon fait quoi?
C'est ça au prouve dans comportement yo dans action yo parce que c'est des députés j'approuve des sénateurs j'approuve qui a touché l'argent pour faire ça yo gen pour faire en dedans parlement alors que vinn dans parlement pour représenter et commune ou pour représenter département pour faire loi dans intérêt population et tout ça vinn faire c'est faire l'argent c'est toucher pour voter des leaders j'approuve députés j'approuve sénateurs j'approuve des politiciens véreux corrompus qu'a fait l'argent sous misère peuple qu'a fait l'argent sous mal cité peuple nous supposé qu'a bailler au canet nous supposé engager nous pour nous faire autrement et c'est pour ça me bra le faire nous tendre un message ancien président Boniface Alexandre qui était pour jeunesse là au moins n'a prend conscience de valeur nous de force nous de pouvoir nous qu'a exercer dedans pays face avec groupe nèg en vision ça qui a dirigé qui voulait prendre pouvoir. Parce que nous, c'est la jeunesse, ensemble nous plus fort, et on nous contribue à changer le pays. Pour le travail, ça a dit pour nous, hein? De montrer nous que réellement, la participer dans la vie politique du pays. Et comme on a pu remarquer dans le projet, l'avant-projet que nous avons préparé, nous n'avons pas oublié la jeunesse haïtienne. Parce que nous avons ça nous fait mettre inséré dans l'avant-projet. Pas aucun moment, je te pensé pour dire un jeune doit candidat à n'importe poste électif, sauf président de la République, à 25 ans. C'est la première fois que nous faisons ça. Et pour qui ça nous fait, si je ne voulais comprendre, la comprendre. À 25 ans, nous supposons que jeunesse, jeune, le fil fait étude. Il n'y a pas besoin d'aller devant la porte barrière moun pour demander un job. Puisque jeunesse, 52%, si on entend entrer, tout passe député, mais si on pas entend, nous-mêmes, comité, nous pas responsables. Mes amis, pas peur impliquer nous. Fais ça nous qu'a fait de positif pour nous changer pays. C'est ensemble nous qu'a fait. On seul moun pa qu'a fait, c'est ensemble n'a privé je nos solutions avec tout problème qu'a pour un GPIA. Moment arrivé pour mettre en bout dans l'émission, mon éditorial pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'a regardé vidéo. Merci pour attention, merci pour temps. C'est indispensable pour avancement travail. Continuez à partager vidéo, à commenter, liker, surtout restez connecté sur Taxe 609, tout haïtien connecté pour rester en programmation. Merci tout le monde, à la prochaine. Même voix, rien, pas changé.